guys, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas évident avec toutes les crises que nous vivons, les crises sanitaires, les crises économiques, financières, émotionnelles. Mais j'aimerais te partager une petite portion d'écriture. Elle se trouve dans le livre de Psaume 27, au verset 3. La Bible déclare « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » J'aimerais te dire que ces situations peuvent être des guerres qui se lèvent dans ta vie. Elles peuvent être comme une armée qui se campe autour de toi. Le Seigneur t'exhorte ce soir à avoir le visage focalisé sur lui, à tourner ton regard vers lui. Et pour cela, j'aimerais prier avec toi pendant ces quelques minutes. Seigneur, je te recommande ma vie, je te recommande la vie de mon frère et de ma soeur, je te recommande sa famille. Alors que nous traversons, Seigneur, ces temps difficiles, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. La Bible déclare, Seigneur, que quand on tourne le regard vers toi, notre visage ne se couvre pas de honte, mais il resplendit de joie. Alors, Seigneur, nous proclamons la joie dans nos vies, nous proclamons la paix, nous proclamons, Seigneur, l'abondance, Seigneur. Et nous déclarons que nous ne serons pas dans le manque au-delà de ce que nous pouvons vivre. J'ai ainsi prié, au nom de Jésus. Amen.